Bonjour mes amis, bonjour mes amis, bonjour tous mes amis sur Facebook, bonjour tous mes amis sur Instagram, bonjour mes amis, bonjour mes amis. Ok, aujourd'hui, un joli matin à Londres sur mon avenue. Là, c'est sur mon avenue. Alors, vous pouvez voir sur mon avenue. Et si tu es sur Londres, je peux te dire même l'adresse, hein, mon adresse. Hein. Bon, alors aujourd'hui c'est un petit vidéo. Aujourd'hui c'est un petit vidéo pour vous dire bonjour d'abord. Et dans le bonjour, c'est pour vous dire quelque chose qui est inspiré par Dieu. Je crois que dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui inspire chaque jour, chaque matin. Et je crois que l'inspiration de Dieu pour aujourd'hui, c'est pour... Il s'est pris dans le livre de 1 Jean 4, 4. Donc, dans 1 Jean 4, 4, on nous dit que c'est lui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est lui qui est en toi, Jésus-Christ. C'est lui qui est en toi, le Saint-Esprit, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alors, Dieu qui est en toi. Il est en toi pour t'inspirer. Il est en toi pour te donner les idées. Il est en toi pour marcher avec toi chaque jour de ta vie. C'est pourquoi on nous dit que c'est lui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alors je veux que tu puisses prendre ça pour toi-même. C'est une compréhension que tu dois avoir pour toi-même. Qu'il y a quelqu'un de grand en toi, il y a quelqu'un de spécial en toi. Il y a quelqu'un de grand en toi, quelqu'un de spécial en toi. Et parce que tu as cette grandeur, il y a une grandeur en toi. Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Quand il vient habiter en toi, il vient avec une grandeur. Il vient habiter en toi avec une grandeur. Il y a la grandeur en toi. C'est là où, à partir de là où tu peux dire que tu es grand, ta vie ne peut pas être en bas, ta vie ne peut pas être petite. Parce qu'il y a la grandeur en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est quelque chose, hein. Si tu peux dire ça en haut de ta voix, si tu peux dire ça en haut de ta voix, je crois que tout un souci va fuir, tout un souci, tout un esprit qui vient contre toi pour te faire sentir un temps. Parce que maintenant, avec le nouveau monde, avec les histoires qui se passent maintenant, tu peux voir un chrétien se réveiller le matin triste, un chrétien se réveiller le matin et ne sait pas quoi faire. Un chrétien se réveille et dit que où est-ce que je veux avoir de l'eau? Mon pain, ça va sortir d'où? Alors, avec toutes ces choses-là, je suis dans la confiance en Dieu. Je mets ma confiance en Dieu, qui nous dit de savoir d'abord que c'est lui qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Parce que tout le blocage que nous voyons dans nos vies, tout les combats que nous voyons dans nos vies, ce sont les choses qui viennent de celui qui est dans ce monde. Alors, celui qui est dans ce monde est petit comparé à celui qui est en nous. Celui qui est en nous est plus grand. Celui qui est en nous est plus grand. Celui qui est en nous est plus fort. Celui qui est en nous, eux, les lions de la tribu de Juda. Alors, le lion de la tribu de Juda ne peut pas être terrassé. Les lions ne reculent devant rien. Le lion ne recule devant rien. Alors, s'il y a le lion en toi, si le lion est en toi, directement et automatiquement, toi aussi, tu as cette force du lion. Parce que quand il habite en toi pour te donner l'énergie. Il habite en toi pour te donner l'énergie. Il habite en toi pour te donner la force. Il habite en toi pour que tu puisses
avoir sa force. C'est le lion de la tribu de Juda. Alors, parce qu'il est en toi, pendant qu'il est en toi, il ne dort pas. Parce que le Seigneur, notre Dieu, il ne dort pas et ne sommeille pas. Quand il est en toi, c'est une force en toi qui doit être réveillée en toi. Alors, quand je te dis maintenant, là, okay, il y a la grandeur en toi. Tu ne peux pas douter. Tu n'as pas le droit de douter et dire que, oh, comment est-ce que la grandeur peut être en moi? Mais parce que c'est ce qu'on vient de voir. L'apôtre Jean nous dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ça veut dire qu'en toi, il y a la grandeur. En toi comme tu es là déjà. En toi comme tu es là déjà, il y a la grandeur. Tu n'as pas à partir chercher ça loin, loin, loin. Tu n'as pas à voyager. Tu n'as pas à sortir, voyager pour aller trouver la grandeur. Tu n'as pas à payer ta dîme pour que la grandeur puisse être en toi. Oui, il y a les exercices qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire pour que cette grandeur qui est en nous puisse être réveillée. Il y a beaucoup d'exercices que même Dieu nous demande de faire pour que la grandeur qu'il a déjà mis en nous puisse sortir. Parce que deux fois, nous, les chrétiens, des fois, nous nous trouvons, comme je vais dire, okay, tu vois un chrétien qui se réveille triste. Il se réveille triste. Il est triste le matin. Pendant que Dieu est en lui, un chrétien qui est brisé, pendant que le Christ est en lui. Mais c'est une chose qui ne devait pas être et ça ne doit pas être. C'est pourquoi aujourd'hui je partage cette parole avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Que tu puisses te réveiller en disant, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Parce que en toi, il y a un lion. Le lion de la tribu de Juda est en toi. Quand les lions s'élèvent, tous les animaux de la forêt fuient. Le lion ne recule derrière rien. Alors c'est toi de dire au lion qui est en toi, lève-toi lion de la tribu de Juda, lève-toi éternel mon Dieu. Quand l'éternel s'élève, ses ennemis sont dispersés. Voilà ce que la Bible nous dit. Quand l'éternel s'élève, ses ennemis sont dispersés. Alors, je t'encourage aujourd'hui avec cette parole. Lève-toi, tiens-toi debout. Va et gagne. Va et gagne la bataille. Va et gagne les combats. Va et gagne les combats. Va et gagne la bataille. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Alors, je bénis ta journée, je bénis ta vie, je te bénis par le nom puissant de Jésus, que la force de Dieu qui est en toi puisse bouger en toi par cette partage, par cette révélation, que la force de Dieu qui est déjà en toi puisse bouger et s'élever et puisse terrasser tes ennemis. Va et triomphe au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, c'était le petit message d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de partager avec vos amis. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Gloire à Jésus, le lion de la tribu de Juda.